Ils ont du pognon, les mecs. Hein. D'ailleurs, envoyez de l'argent, bien sûr. Ouais. Je suis pas content parce que je voulais les 150 followers avant la fin de l'année et je les ai pas encore. Ça, c'est triste quand même. Mais on est proche, on est à 140, on va dire que on est à peu près. pom, pom, pom. Ok. Je vais mettre comme ça. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont joué à celui-là? À Toy Story. À Toy Story Racer. Du coup, évidemment, comme j'ai pas eu les 150 followers, j'arrêterai les streams à partir du 1er janvier, du coup. Alors. L'année n'est pas finie, j'avoue. Peut-être que la magie de Noël va s'opérer, je sais pas. On the house. Ok. Jamais touché. Pouah le Woody. Ah, il est garanti. Il est maléfique. On dirait c'est pas un cowboy, on dirait juste un mec en chemise. Normal les cheveux. Oh, la bergère, elle est garantie. Pouah. Ah, le monsieur patate. Ah, le monsieur patate. Oh la pouah, il y a que 4 persos. Pouah, c'est beau ça. Oh, le monsieur patate, il est... Franchement, en emote, il passe. Hein. Je pense qu'il fait une bonne emote, le monsieur patate, là. T'as trouvé le gros lot. Ah, mais c'est beau, là. Franchement, le monsieur patate en emote, je pense qu'il passe bien. Hein. Du coup, on va le prendre. Une madame patate, bah quoi, on peut rêver, non? Pouah, ouais, putain, mais dans la chambre d'Andy, les gars. Pouah, putain. Une pensée pour ses enfants des années 90. Pouah, aïe. Ah, c'est compliqué, quand même. D'ailleurs, je suis un gros fan de Toy Story, mais j'ai jamais vraiment eu de jeu Toy Story quand j'étais petit, hein. Je n'ai jamais vraiment eu. Ouah. Pouah. Oh, juste. Ouah. Pouah, c'est maléfique. Oula, pouah, ça dérape. Hein. Pouah, y a... Pouah, là. Oh, les graphismes du futur. Est-ce que ça pue la merde? Oui. Effectivement, je pense pas qu'on ait... La plupart des jeux Toy Story ont l'air sympa, par contre celui-là je pense pas qu'il en fasse partie. Hein. Enfin, la musique est déjà interdite quoi. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. Hein. Ouais, on bouge que le Woody. Pour l'instant, c'est la bergère qui nous démonte. Hein. Je me demande si tu pouvais le buter en câble Link, ce jeu. Je pense qu'il y avait moyen. Hein. Le pire, c'est que tu sens que les mecs, ils sont fait chier quand même pour donner une impression de 3D et de grandeur à la chambre. Et pouah, les mecs, ils étaient là 10 ans trop tôt. Quoi. Ou 10 ans trop tard. T'as pas le guide. Ah si si. Si si si, et bah si au-dessus là avec le. Avec le menu là, on est bien là. Le gros glitch au-dessus là, on est pas mal. Aïe aïe aïe, c'est compliqué là. Y'a des items ou quoi? Je sais pas, je crois pas. Hein. Pause Z. Ah tu peux même pas quitter. Tu peux même pas te barrer. Tu dois juste relancer. Là, je suis bien. On est bien, on ne bouge plus. Ouais, on est... Ok, attends. On va rendre portable, plus que ça. On va redémarrer. Hop. On va juste voir un autre stage. Faut un petit peu...
Putain, 2001, mais le jeu, pouah, mais 2001, mais déjà dans le futur, quoi. T'as pas sorti des trucs comme ça en 2001, c'est pas possible. Fast food. Fast food. Du coup, fast food. Et Pizza Planet. Tarmac Trouble, mais qui c'est que ça? Bedroom Dash. Fast food. Avec 3 circuits, pouah, ouais les mecs, pouah. Oh, y'a, 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 y'a. Oh les fois. Putain, c'est le truc qui devait coûter genre 40 balles quoi. Oh, c'est compliqué quand même. Ah d'accord, ah c'est Pizza Planet Fast Food. Street Race. Ah d'accord, ok, c'est le nom du stage. Pizza Planet. Pizza Planet Fast Food. Ok. On va prendre Woody. Vous préférez Woody ou Buzz ou... Je pense que je préfère Woody moi. Même si oui, on se souvient qu'il a voulu la mettre à l'envers à Andy dans Toy Story 2. Hein. Je pense que les gens ils préfèrent Buzz en général parce qu'il est stylé Buzz. Mais... Je pense que je préfère Woody, j'aime bien le personnage. Ah putain! Pouah, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis câble de ouf là. Pourquoi les escargots? Normalement on est à Pizza Planet, hein. Donc souvenez-vous. La scène où ils essayent de sauter dans le chariot de la petite sœur d'Andy. Et où ils se retrouvent dans le jeu de pince des petits aliens. Là. Je préfère Bayonne. Ah, Bayonne, il est garanti. Hein. Hey, Bayonne, regarde, je suis Picasso. Oh, je piche pas. Mais c'est $1, gros lard. Pourquoi c'est compliqué. Attendez, mais il y a un petit... Il y en a un, il joue le... Il y a les petits aliens. On peut les jouer. Peut-être les débloquer, peut-être. Regardez en bas, il y en a, ils jouent les petits... je sais plus comment ça s'appelle. Les petits êtres. Les petits êtres, c'est dans Rayman. Mais je crois que c'est un autre... Je crois que c'est les petits aliens, un truc comme ça, je crois. Jesse, ouais, Jesse, il est garanti aussi. C'est avec des bons persos. Hein. Son cheval s'appelle Pit-Poil. Voilà, on est entre connaisseurs et ça, c'est beau. C'est le bruit de pixel. Ah, il est là, regardez, il est là, c'est lui. Regardez, il est abstrait, mais on voit que c'est lui. Oh, c'est... Pouah, c'est chef d'œuvre. Hein. Le rétro gaming, dans toute sa splendeur. C'est vraiment les joueurs de rétro gaming, c'est un putain de rétro gaming. Voilà. C'était tellement mieux les jeux à l'époque. À côté, ils te sortent ça, genre. Ouais, tu t'es buté sur quoi? Oh, bah, tous les jeux cultes. Ouais, en émulation, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah. Parce qu'à l'époque, j'avais Toy Story Racer, quoi. C'est juste Alien. Ah, c'est juste des aliens? Ok. Aïe. Ça pique. Pour le dérapage incontrôlé. Incontrôlable. Bon. Ne nous attardons pas plus dessus. Nous allons changer de jeu. Tac, tac, tac. En tout cas, c'est sympa dans les jeux piffés comme ça. Je regarde ce qu'il y a d'autre. S'il y a d'autres jeux piffés. En tout cas, les aventures de Buzz et l'éclair, il y en a en toutes les versions aussi. Ça a l'air assez incroyable. Il y a aussi un Toy Story 2 sur Game Boy Color. Ouais, ça, il y a 3 jeux Toy Story sur Game Boy Color. Il y a Buzz et l'éclair Adventures, Toy Story 2 et Toy Story Racer. Toy Story 3 sur Wii, bien sûr. Toy Story 2, blablabla, Toy Story Racer sur... Ah, il y a la version PS1 de Toy Story. On peut regarder ce que ça donne sur PS1. On va regarder ce que ça donne sur PS1, je pense. Avant de passer au vrai jeu. Bien sûr, une pensée à mon ami François et son compte RomStation Premium à vie. Il me prête généreusement depuis des années. Ce qui me paraît télécharger les jeux en 2 secondes. Hop. François, si tu me regardes, des bisous. Hop. PS1, il est mieux, je pense. On a tout ce pote avec un compte Premium, ouais, c'est ça. Désolé pour vos oreilles.
Ah, ça c'est le logo qu'on aime déjà, vous voyez. Quand on voit ce logo, on sait qu'on va passer devant un bon moment. D'ailleurs, le jeu d'avant, c'était déjà Activision, hein. Donc, ils étaient déjà des bons jeux à l'époque, hein, finalement. Disney Interactive. Ah oui, ça c'est le logo qui a pris le plus cher de l'histoire, je crois. Traveller Stage, genre vraiment, ils ont pris un gros downgrade. Hein. Maintenant c'est juste un vieux TT maintenant, alors que c'est juste un T, un T. Alors qu'avant t'as le truc trop stylé là avec le avec ce personnage là. Et ça rame de ouf ou c'est juste moi? Ah non, d'accord. Juste, c'était juste une étoile en 5 FPS. Encore 5, j'étais gentil. Hein. Disney Interactive Pictures Animation Studio presents Toy Story Racer. Oh yeah baby. Pour la musique. La musique des gendarmes de Saint-Tropez. new game, not game, new game. Maintenant c'est Titi Gamma, ouais, c'est ça. Pouah, il garantit le bruit. Bon. Ah, c'est des petits. Ah, c'est Ouistiti. Buzz, y'a pas assez. Buzz, y'a pas assez de Ouistiti. On peut jouer Woody. Challenge available. Ah, d'accord, avec les flèches. Oh, on peut jouer au karting! Pouah! Et Boupip. La tête de Buzz, il fait un peu peur quand même. Oh, karting! Karting, c'est le meilleur personnage de Toy Story en fait. Trop sous-côté. Hein. Radio Tonto, Immortal Soldiers. Ça, on se rapproche déjà un peu plus d'un vrai jeu, j'ai l'impression. Hein. C'est quoi ça? Ah, tu peux rentrer buter et tout, d'accord. Ah! Il y a Rocky! Pouah! De ce que je vois, tu as 20 versos au total, mais 4 de... 20 persos! Ah ouais! Pour le meilleur chef-d'œuvre en fait celui-là! Ah merde! Ah, ça joue avec les touches fléchées par contre! Attends. Bah, elle est où la course là? C'est un mode bataille? Ah, faut juste se buter? Attends. Putain, je voulais que les touches fléchées de la Mighty Xbox, hein, je regarde pas. Ah, j'ai buté un mec. Ah, t'as 19 modes de jeu, d'accord. Ah, t'as plein de modes de jeu, d'accord, ok. Ah, j'ai tué Zigzag. Ok, mais attends, il faut que je tue... il faut que je tue Berger. Grosse musique, hein. En tout cas, on reconnaît bien Pizza Planet, là, c'est stylé. Alors. Et qu'est-ce que tu dirais d'aller à Pizza Planet? Putain. Oh, il y a la... Pourquoi il y a la boule? Ah, mais elle est morte. Ah ouais. Pourquoi il y a la boule? Est-ce qu'Andy va me choisir? Quoi? N'y compte pas? Alors, bon, on est fort. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Magioso Choice. Pourquoi les Ouistiti font l'écran de chargement? Ça veut rien dire. Faut encore se buter. Oh, le bowling! Qui se souvient quand ils vont au bowling dans le film? Pouah, le parterre il est RTX là. C'est vraiment très joli pour la PS1, vraiment.
Pour le coup, ils sont pas foutus de notre gueule. Hop. Merde. Hop là, on a tué Monsieur Patate. Ah non, il nous a tué. On est mort direct, ok. On est toujours proms, d'accord. En vrai, je comprends comment des gosses ont pu aimer le jeu. Ouais, mais il ressemble pas, ouais. Final Round, Smash. J'espère qu'il y aura un vrai mode course après, quoi. Ouais, clairement, la version Game Boy, c'est compliqué, là. Alors, en même temps, en vrai, un Mario Kart lag sur Game Boy, même Nintendo, s'il n'est pas... ne s'est pas donné à la tâche, quoi. Ils ont attendu la version... ils ont attendu la Game Boy Advance pour pouvoir faire un Mario Kart dessus, parce que je pense qu'ils ont dû essayer et ils ont dû comprendre que c'était un peu de la merde, quoi. C'était clairement pas le support adapté, quoi. Parce que si ça, si le hardware avait été un peu plus puissant, je pense qu'on en aurait eu un sur Game Boy Color, quoi. Mais là, je pense qu'ils ont dû faire un proto de Mario Kart Game Boy Color. Yamamoto, il a fait non mais c'est dégueulasse, les mecs, arrêtez. C'est de la merde, on peut pas faire ça. Oui, à Rex. Merde. Oh, la musique, elle est maléfique, hein. Ils sont v'là loin par contre, c'est relou. Quoi? Oui, c'est bon. Bon, il reste plus que Rex à tuer. Ah ok, ça c'est bien. Avec ça, on le tue direct. Okay, on va attendre, il arrive. Ok, maintenant on le tue. C'est bon. Ah, il y a encore Monsieur Patate, je suis con. Je suis attenté, pourquoi ne pas faire la caboche. Quick demande pourquoi est-ce qu'on joue plus à la version Game Boy, mais tu es bête ou quoi? On est sur la version Game Boy, mon gars. Aïe. On a dominé le classement. Winner! Merci le soldat. Ils sont pas du genre à rester couchés toute la journée. Ah, une course. Neighborhood. On va faire une course dans le voisinage. Mais non. Pourquoi? Je regardais sur mon PC. Parce que tout à l'heure, mon PC faisait du bruit. Parce que j'avais dû bouger un truc. Mais ça va. Il ne fait plus de bruit. Peut-être qu'il est en train de cramer à l'intérieur. Il semblerait que tout va bien. Race challenge. Win the race. Yeehaw! Il y a zigzag devant. Évidemment, moi sur PS1, je me suis buté sur Crash Team Racing, bien sûr. Hein. Ouais, d'ailleurs, le remake, qu'est-ce qu'il est dur, le Crash Team Racing sur Switch, là. Ouah, là, là. Ah, les mecs sont trop énervés online. Hein. Mais même le jeu en lui-même, il est v'là dur. Hein. Même le solo, il est v'là dur, hein, sur Crash Team Racing. Petit aparté, j'ai commencé Chicory pour l'instant et j'aime beaucoup. Ah, bah voilà. Ouah, Pouyarex. Pouyarex. Le meilleur chien de l'animation. Hein. Non, pareil, je suis con, Scud. C'est ça, c'est Scud. Parce que Rex, c'est le dinosaure, je suis bête. Ah, c'est ça, c'est Scud. Mais non, ça c'est Scud, idiot. Sid, c'est lui. Quoi, cet enfant joyeux?
Il torture les joueurs, rien que par plaisir. Alors, vite, qu'on prenne la pile. Ok. Fonctionner l'énergie nucléaire, vous avez découvert la cryptofusion. On marche au pile alcaline. Waouh! Et oui, je connais trop ce film, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Vous êtes bel et bien sur Spoiler TV. Cette air, c'est cool. Regardez, il a scud, incroyable. Ils l'ont trop bien refait en vrai ici. J'ai bien pensé sur Switch pour acheter les persos. Ouais, ouais, ça, t'avais le côté. C'est un petit peu un game à service, hein, finalement, le Crash Team Racing remake. Mais ouais, il avait du contenu infini en vrai. Mais bon, je pense que je suis plus un mec de Mario Kart, c'est pour ça que j'ai fini par acheter Mario Kart après. Mais il faudrait que je relance cette air, parce que c'est vrai que c'était sympa en vrai. Je ça fait déjà 2 ans que j'ai le jeu. Quoi, ça rajeunit pas quand même. Fais récupérer. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a plein de trucs et tout. Et les mecs sont partis dans les persos. À la fin, tu pouvais jouer une boîte, quoi. Genre, dans Crash Team Racing, tu peux jouer une boîte. Mais tu joues une boîte de pommes, quoi. T'as gagné un don sur l'online, mais tu fais. Ouais, c'est ça, mais le top 3 sur Crash Team Racing, c'est infaisable. Les mecs sont trop forts, en fait. D'ailleurs, petite pensée à T-Quick, qui est vraiment un gros donneur du jeu. Hein. Vraiment, T-Quick, il se fait buter sur le jeu, mon gars. Je sais pas comment je fais pour envoyer les items en arrière. Mais, merde, pas T-Quick, je suis bête. Titou, pardon, excusez-moi, pas T-Quick. Pardon, je veux dire Titou. Peut-être que T-Quick aussi s'est buté, je ne sais pas. C'était méga dur au début pour moi, mais à la fin, j'étais dans le top 3. Ok, bah franchement, bravo. Vous avez tous des pseudos avec tout et Titou, là. Et qu'on peut plus. Trimmer Soldiers. Ah, il faut que je rejoue. Oh, c'est relou. Non mais t'inquiète, T-Quick, je me suis juste planté des pseudos, t'inquiète pas. Je suis Buzz Éclair, lui en paix. Richard Darbois bien sûr. Bon. Quoi, on peut monter la taille de l'écran? Ah ouais, incroyable. Bon, bah voilà, c'était Toy Story Racer sur Game Boy et sur PlayStation 1. Maintenant on va voir ce qu'on fait après. Peut-être pour Toy Story 2, on se fera juste la version GameCube, parce que, enfin la version 64, parce que je pense que j'ai avoir la flemme de l'installer sur PC, quoi. Ok, je crois pas qu'il y ait d'autres versions de Toy Story Racer qui existent, hélas. Du coup, allons-y pour... C'est quoi ça, Powerplay? What? Ah ouais, chelou. Bon, allons-y pour la version Mega Drive de Toy Story 1. Adapté évidemment du film d'animation du même nom. Premier film, premier long métrage d'animation en 3D, mais ça faut-il seulement le rappeler. Tac tac tac, voilà. Il y a surtout joué à la version Super NES en émulateur, mais c'est après via la vidéo rétro découverte de Edward, hein, évidemment qu'on salue, que bien en fait je me suis dit ah merde, mais en fait il y a plus de trucs dans la version. Dans cette maudite version Mega Drive, en fait. Hop. Plaît-il ? Ah, d'accord, ok. Hop. Ah, la Mega Drive. Des souvenirs qu'on n'oublie pas. Une femme Barbara Gordon. Alors. Oui, la config. Le contrôleur, il est bien ou pas? Je crois que j'ai. Je sais pas si j'ai vraiment joué la Mega Drive sur le PC. Non, je crois pas. Alors.
Tac. Évidemment, ce jeu ne sera pas dans la Super Nintendo Switch ni la Mega Drive sur Switch. Ce sera évidemment dans une compile bientôt vendue à 50 euros par Disney. Non, je sais pas, mais il y a de grandes chances que ça arrive. Contrôleur. Ok. Ouais, 6 boutons, vas-y. For up, for down, for left, for right, for A, for B, for C, for start, for X, for Y, for Z. Ok, ouais, c'est bon. À tête de Woody. Bah, à tête de Woody, en fait, normalement, il est censé faire la gueule, mais là, on dirait qu'il sourit, en fait. Ça veut rien dire. Ah, le mode démo. Normalement, il est censé faire la gueule. Mais jusque-là, il se juste. Il se tape un grand sourire. Ah, quoi, moi, ouais. Ah, le son est pas très fort, faut le monter. Le toit de le monde depuis ma terrasse, je vivais la vraie vie. Je vivais la vraie vie, chaque chose était à sa place. Mais quand un loin zombie astronaute a débarqué nulle part. Et bon, Charlie Couture, hein, qu'on salue tous les jours. Il faut dire que tout ça est bien étrange, impossible à prévoir. Ouah, oh la manette Mega Drive HD là. Allez, allons-y. Voilà, boss qui casse tout. Ok, Ruben, voilà, donc l'anniversaire d'Andy arrive aujourd'hui. Oui, t'as envoyé le chargeur en bas pour vérifier c'est quoi les nouveaux cadeaux, blablabla. Voilà, bref, le début du film. Un trou super culte. Sergent, code rouge, voilà, donc vous allez en bas. Blablabla, ok, donc là, voilà, donc, ouais, y a les soldats, évidemment, ils descendent en bas pour vérifier les cadeaux que reçoit Andy pour son anniversaire. Incroyable. Ça, c'est un lore infini, quoi. The old army game. Open the bucket of soldiers and locate the baby monitor. Pass it down to the seventh troop. Alors, on va faire des save states, je vous préviens. Parce que vu que c'est un vieux jeu, évidemment, il faudra tout recommencer si on perd. On va juste safety comme un sac. Le premier niveau, je connais à peu près. En gros, il faut dégazer le chemin pour les. Aïe! Pour. Merde, pour les. Ah, c'est ça, faut le boomer lui. Ah merde! Putain, on va déjà crever. C'est ça, il faut dégager le chemin pour le sergent et tout. Okay. Je comprends pas, je vais faire. Ah! Attendez. Le mec qui est déjà mort. Enfin, Charles. C'est quoi le raccourci? C'est fuite, ok. Voilà. Bon, faut se débarrasser de l'avion. Sur résumé d'histoire typique, j'aurais trop mal. Ouais. Donc là, on torture un jouet, bien sûr. Aïe, ouais. Regardez-moi, c'est le petit effet 3D là, incroyable. Parce que, en fait, vu que le film était dans le futur, les développeurs se sont dit faut que notre jeu aussi soit dans le futur. Et du coup, ce qui fait que c'est un des plus beaux jeux de la console. Hop. Alors que la Mega Drive était quand même moins bourrée en effet 3D que la Super NES. Même si la Mega Drive avait ses forces aussi, hein, vraiment, c'est une bonne console. Hop. Hi-ha, quand même. Alors, ah d'accord, ok, le saut à jouer il est là. Enfin, le saut au soldat. Ok. Ok, là faut que je bloque le petit truc pendant que les soldats passent.
Voilà, faut juste bourrer. Assez loin. Quoi ? Ah, il faut qu'ils aillent en haut. Ah oui, putain. Ah. Il y a un truc en haut à récupérer. Voilà. Ah oui, il y a ça. Bayonne, ça va ou quoi ? Ok. Aïe. Oh, il y a le robot. Serpent, robot, corvée de podium. Ce bruit, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille là. Le jeu, il est un petit peu psyché des fois quand même. Ok, voilà. On a fini le premier niveau. Oui, voilà. Incroyable. Level complete. Zéro continue. On peut voir à quel point le jeu est dur quand même. Ok, donc là, ils regardent et tout. Ils font. Voilà. Je n'ai jamais vu aussi fébrile. Oh, il se cache dans une plante. Incroyable. De ton lit douillet, répète-toi ce que ton vieux pote disait. Le fait bravo, tout ça, voilà, regarde, incroyable, je crois, ce scénario, quoi. Je crois, ce film, merveilleux. Ils sont trop nuls, mes cheveux, aujourd'hui. J'irai les chouchoter après. Ah, the other toys to get their place before Andy gets his bedroom. Rex, Ham and Robot need to go into the toy chest. Voilà, bref, du coup, faut amener tous les gens au bon endroit. C'est bon, voilà. Franchement, ouais, j'aurais pas dû jouer la version Super NES en émulation. La version Mega Drive a l'air bien meilleure, quoi. Même les musiques, elles sont pas dégueu, je trouve. Pour la Mega Drive, franchement, ça va. Regardez le poster là, le poster qui est dans la chambre dans le lit. Hop. Oui. Ah merde, ok, il y a le saut. Vas-y, je te saute dessus. Hein. Ah Rocky, oh putain mais qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, et vous dit en mode oh, je cours. Ok. Ok, ok, on est là. On entre vrai. Ah, bravo karting, il est en dessous, c'est bien. Et Rocky aussi, peut-être, ouais. Okay. On claque le cul de Rocky. Et Woody doit aller sur le lit, je pense. Voilà. Hop. On est fort. On est quand même très fort. Hein.
Woody, qu'est-ce que tu fais sous le plumard? Oh, tu as perdu ta place. Qu'est-ce que j'ai dit? Personne ne perdra sa place. Maintenant, on va lui souhaiter à ce je ne sais quoi qui est là-haut, la bienvenue dans la chambre d'Andy. Allez, je suis Buzz Éclair, je viens en paix. Je suis parti de l'unité de protection de l'univers. Voilà, puis il a dû faire ah, il se prend pour un vrai rangeur. Incroyable. Ah oui, pourquoi t'as pas un laser, toi, Woody? Ce n'est pas un laser, c'est une petite ampoule qui brille. Il a une envie de laser. Try to keep up, Buzz, with to show that you're just as good at aim. Ok. Faut qu'on mette une raclée à Buzz. Ce qui n'arrive pas du tout dans le film. Hein. Il fait jamais ça à aucun moment. Mais... Faut qu'on gère la cadence. Ouch! Ouais, le Buzz, ah, il nous troll en plus. Le Buzz le prend cœur. Ah, c'est compliqué. Ah, d'accord. Ouais, le sac. Ça volait, elle appelle ça tomber avec panache. Non, je suis dead. Pousse-toi. Ok, d'accord. Enfin, les poses de Buzz. Waouh, il fait des 3-6 le gars, rien à foutre. Alors, tous les autres joueurs essayent de nous buter, bien sûr, comme dans le film d'ailleurs. Merde! Fait merde. Hop. Non! Putain. Ah, c'est compliqué. Comme dans les Schtroumpfs, tout le monde essaie de te tuer. Vous voyez ça? J'ai fini la Schtroumpf! Ouais. Ah! Tu vas avoir un des meilleurs épisodes, bien sûr. Le jour du grenier. Il est infini le niveau. Il est infini. Impossible de le battre. Hein. C'est d'ailleurs un souvenir d'enfance toujours douloureux pour moi. Je peux m'envoler dans cette chambre les yeux fermés. Ok, monsieur le rongeur de l'espace, prouve-le.
To infinity and beyond. Voilà, il ferme les yeux. Et il s'envole. Incroyable. C'est les images du film en version 60p, quoi. C'est beau. Voilà, oui, il n'arrive pas à y croire, mais Buzz s'envole, incroyable. Merci, merci beaucoup. Oh, maintenant tous les jouets pensent que Buzz peut voler. Ils verront, je resterai le jouet favori de Woody. Nightmare Buzz. While you're sleeping, you have a bad dream about a huge Buzz Lightyear with real lasers. Incroyable. Try and defeat the Legion. Ok, bon, faut combattre le boss du cauchemar. Quoi? Par exemple, je crois qu'il n'y a pas ça dans la version Super NES, je crois. Ah putain. Il est énervé en plus, ce sac. Voilà, bref, du coup, Woody fait un cauchemar où Buzz essaye de le tuer, comme dans le film d'ailleurs. Je m'en souviens. Hop. Aïe. Mais... comment le but? Aïe. ça veut rien dire. Alors. Paye tes cauchemars quand tu dois affronter un boss, c'est bon. Putain, il a géchant, boss, quand même. Wow. Ah, je t'ai esquivé, mon gars. Putain, c'est Dark Souls, quoi. Ouais. Ok, bon, je crois avoir un petit peu... En même temps, j'ai plus de vie. En fait, il veut la dure, le jeu, on va pas se mentir. Ok, il faudra capter. Donc, faut enlever toutes les boules et après le bourré. Effectivement, ce serait mieux si je me laissais crever et que j'avais pas de 2 PV à chaque fois. Parce que quand il spawn, j'en ai 5, mais là, avec mon safe tail, j'en avais que 2, donc c'est un peu relou. Touche pas à ça, c'est extrêmement dangereux. C'est un peu Castlevania aussi. Hein. La fameuse musique boss killer. Ok, c'est bon. Ok, maintenant tu buzzes. But Luigi. But... non, c'est la But Yoshi, c'est ça. Meilleur stage de Mario. Hein.
prix l'infini. C'est bon. Je crois. Non, pas du tout. Merde. Oh, mais je vais pas que je me fasse toucher, sinon ça va être la goutte encore. Ah, c'est infini. Tu veux rien dire, le jeu. Il manque qu'on passe aux versions PS5. Quoi. Ah. Putain. Ouch. Il est incroyable. Ah, il... oh là, oh la frame. Ok. Ah, je crois que c'est les, ah, ça doit être les planètes au-dessus là. C'est bon, c'est point de vie. Ok, d'accord. Ouh. Merde, je suis fait toucher. Merde. C'est bon. Et voilà, ils s'envolent et ils chient des étoiles, comme dans le film d'ailleurs. Hop. Voilà, les jours passent et Woody se rend compte qu'il n'est plus de jouet favori d'Andy. Oh là là. Et là, voilà. Bon, du coup, là, le film prend, là, le film prend direct l'avance rapide. Pizza Planet. Voilà, il fait... Ouais, voilà, maintenant, il se demande si Andy va le choisir. Et voilà. Putain, les têtes de Woody, elles sont garanties, quand même. Foiré de Buzz, là, je vais te tuer. Non, on dirait vraiment il veut le tuer, alors que dans le... Dans le film, il veut juste le faire tomber. Buzz Clip, use... Ah oui, on joue vraiment Woody qui essaye de tuer Buzz, là. D'accord. J'aime bien comment le jeu essaie de te faire croire que Woody, c'est le méchant, c'est le gentil au début. Alors, pas tant que ça, en vrai. C'est pour ça que le film est cool, en vrai, c'est que Woody, il est pas... C'est loin d'être un personnage parfait, Woody. Hein. Il est vraiment jaloux et tout. Et après, ils apprennent à s'apprécier, et ça, c'est beau. C'est l'amour. Alors... Et voilà, Woody se rend compte que ça a été une crapule. Et voilà, puis Buzz, il a une crise existentielle après. Hop. Et comment que je suis mort. Ok, bon. Pareil, je crois pas qu'il y ait ce niveau dans la version Super NES. Hein, ça me dit rien du tout. On joue karting. Alors effectivement, dans le film, il fait exactement tout pareil. Il passe à travers un parcours de stag pour faire tomber Buzz par la fenêtre. Ah putain, faut vraiment se dépêcher. Ah ouais, c'est infernal en fait. Ah, dès que tu te payes un mur, t'es mort. Ah ouais, oh là là. Ah, mais il faut que je pousse Buzz. Attends. Ah d'accord, il faut que j'accupère les piles après. Ah ouais, d'accord. D'accord. Aïe aïe aïe. Ah, le rétro gaming. Non. Non. Please don't go. Où est la pile? Bah, elle est où? Oh bah non, mais le jeu. Oh, si je il me prend que si on est où là? On voit des livres avec marqué Teen Toy, qui est le premier court-métrage animation qu'on fait Pixar avant Toy Story, et qui était déjà plus ou moins une bêta du concept qu'allait être Toy Story, quoi, c'est-à-dire un jouet vivant, quoi. Mais il est où? Mais je vois pas ce qu'il lâche la deuxième pile, en fait. Genre là, ok. Par contre, la deuxième, elle est où? En plus, j'ai du mal à... En plus, ouais, ça bouge un peu trop vite, donc la lisibilité est un peu galère. Ah, elle est là-bas. Pouah, mais oui, bah... Lâche-la encore plus loin, si tu veux, mec.
C'est encore un petit peu actuel, parce que finalement, je veux que les manettes Xbox, et les manettes Xbox, c'est encore des piles, donc voilà, c'est un petit peu... Finalement, on n'est pas tellement dans le futur. Hein. Hop. Voilà, en 2015, on peut voir le futur, imaginez les voitures volantes. En 2022, Xbox imagine les manettes à piles. Et ça, c'est beau. Non, mais prends-le. Non, mais tu vas pas me faire ça. Voilà. Petite sauvegarde. Flemme de tout refaire. Il y a une raison pour laquelle Xbox a gardé les piles. Bah, je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. C'est peut-être parce qu'ils vendent les batteries. T'as des batteries, mais c'est vendu à part. C'est peut-être pour ça aussi. Mais pas grave, j'ai des piles rechargeables. Hein. On va dire que ça passe. Mais c'est vrai que même ma mère, quand je lui ai dit, ouais, bah ça c'est la nouvelle Xbox, et ça c'est les nouvelles manettes, et bah c'est avec des piles. Elle me fait, ah bon, des piles, c'est bizarre. Hop. Voilà. Woody a assassiné Buzz l'éclair froidement. Et pour ce, pour lui faire payer ses crimes, les autres jouets veulent l'assassiner. Il y a quand même une phase où Monsieur Patate il dit qu'on le porte. Hein. Il voulait quand même le tuer, hein, vraiment. Voilà, Rex il fait. Ah ouais, j'ai horreur de prendre parti. Que Buzz l'abuse a été poussé par Woody. Revenge of the toys. Avoid all the angry toys as you try to help Rex across Andy's room. Mais bon. Mais pourquoi faut aider Rex? Ça n'a aucun sens. Vite Rex, notre seul allié dans la vie. Notre seul ami d'ailleurs. Normalement c'est plutôt Zigzag qui nous défend. Aïe. Comment je monte là-haut? Ah, ok, d'accord. Oui-ha. La musique. Merde. C'est bon, Rex, je peux passer. Oups. Hi-ha. Ow. Ah, Monsieur Patate. Il va pas nous aider, lui. Ouais, on a tué Monsieur Patate. Oh non. Il y a le serpent. Il est gentil ou pas, le serpent? Non, il est pas gentil du tout. Oh, tu gagnes jamais de vie dans le jeu, quoi. C'est infernal, en vrai. Alors dis-nous, si c'était pas les save state, on a eu un game over au moins 15 fois, quoi. Merde, il est où? Ouch. Se meurt un coup de ficelle, non. Je sais pas si c'est le mot de passe. Le mot de passe, Caput Draconis. Je regarde. Option, help, là-dedans, help. Bonus, checkpoint. Ah ouais, c'est juste... Ah, c'est juste pour nous dire ça, d'accord. Option. Ok. Hmm. On va continuer à boire les safe states, hein, les amis.
Putain, ça fait le jeu nous dit qu'on peut récupérer des vies, mais jamais de la vie, j'en ai eu en fait. Hop, ok. Ok, faut qu'on fasse sous le parcours du combattant là. Ah putain, quand monsieur patate. On assassine monsieur patate là. Pour aller en faire. Ah mais. Ouah! Non mais le jeu, calme-toi! Oh, ça touche là. Ah, j'ai pas pris de checkpoint. Ok. Ok, quand on prend le checkpoint, ça nous donne un PV en plus. Ah, oh, y'a Bayonne qui nous balance des pièces. Va te faire voir, Bayonne. The True Adventures of Buff Lightyear. Waouh, du coup, ça doit être le scénar du film qui arrive, du coup. Incroyable. Les mecs, ils avaient tout prévu. C'est-à-dire que ce foutu film va sur ses 30 ans, quoi. My god. Hop. Ouais, mais Rocky, laisse Rex tranquille. C'est bon, on a gagné. Voilà. Si Andy jouait plus avec moi qu'avec toi, tu me balancerais aussi par la fenêtre? De remettre la même image. Pourquoi? Cours, Rex, cours! Cours sur Rex et essaye d'éviter les autres jouets. Oh, mais non. Oh là. Ouch! Ouais, c'est le niveau infini, ça je vous le dis direct. Ouais! Mais non, karting! Mais karting, il nous tue! Il est pas gentil. Karting, t'étais mon préféré! Pas gentil! Ah d'accord, on peut avancer. Ok. Oh, mais ça va être voulu à Dieu. En plus, j'ai que. J'ai qu'un seul PV, les gars. J'ai qu'un seul PV! Le jeu, il en donne jamais! Le jeu il donne jamais de PV, il est radin de ouf. Je sais pas si c'est les cheat codes. Attendez, je vais voir. C'est l'heure de tricher, les amis. Cheat code. Toy Story. Mega Drive. Hop. Astuce et guide Toy Story. Pour les cheveux, ils font n'importe quoi aujourd'hui. Choix du niveau. Ah, code de niveau. Comment ça, 3, 2, 1, comment ça, rentre ça où? Saut de niveau. Ah. Appuyez sur force press start par l'écran ouverture avec votre code, puis sur stop. D'accord, ok. Bon, Rex, il est garanti. Ok, bah, du moins, il y a un code pour sauter de niveau, du coup. Et ce niveau-là, pouh, il a pas l'air simple. Hein. Il a pas l'air simple du tout. Ah putain. Oh, faut que tu regardes devant, derrière, partout, à gauche, à droite. Ah putain de sa mère. Oh putain.
Ouf, attendez, hop, voilà. La grue, putain, la gruge. De Grugy. Et le homard de Grugy. Ouais. Oh ouais, mais abusé. Oh, mais putain, pété un câble. Alors, oh, mais c'est infernal. En plus, le jeu, mais c'est en mode, oui, tu peux récupérer des vies, ok, mais à quel moment? Genre, et jamais de la vie nous a donné des vies, le jeu. Genre, pas une seule fois, quoi. En plus, on a commencé avec zéro continue, quoi. Genre, c'est tout. Putain, mais on joue sur Mega Drive, hein. Là, il n'y a pas de but à foutre de l'argent dans la machine. Il n'y a aucune... Y a même pas une raison mercantile de faire ça, quoi. Mercantile, excellent. Et c'est le meilleur île de Wind Waker, d'ailleurs. Attention. Hop là. Ah, incroyable, j'avais tout prévu. The World, quoi, les mecs. Quoi? Bah, que moi aussi... Mais... Ah what? Ah, je me fais toucher, là. Ah, ça me touche, là. Non, mais sérieux, le jeu, là. Non, mais... Mais il me touche le chapeau. Tu meurs pas dans la vie quand tu te fais toucher... Quand on te vole ton chapeau, ça n'a aucun sens. Oh, c'est chaud, sa mère. En plus, il nous a même pas... Vous vous rendez compte comment le jeu, il est enfoiré? Parce que là, j'ai touché le checkpoint et il m'a même pas redonné un point de vie. Alors que sur les autres niveaux, il te donne un point de vie. Là, juste le jeu, il a fait non. C'est le niveau le plus dur du jeu. Bon, on s'en bat les couilles. Pouah, mais c'est infernal. Ah ouais, mais ils ont pété un câble, les mecs. Pouah. Ouah, putain, voilà. Pouah, mais ils sont... Pouah, pouah. Après, il y a peut-être un continu, ça compte combien? Après, c'est... Non, c'est juste game over, mon gars. C'est juste game over. Parce que je dis peut-être avec les étoiles, il doit être quelque chose. Non, oh, putain, oh, putain, mais au secours. Tant pis, regarde, hop. Tu vois? Non, parce que mec, quand j'ai lancé le jeu, regarde. On va relancer niveau 1 là. And beyond. Alors, tu vois, là, on commence. Quoi, 3 continues? Mais j'en avais pas tout à l'heure, moi. Mais on n'avait pas de continue tout à l'heure. C'est bien difficile. Pouah, le jeu, il nous a escroqué. Attendez, bon. On va faire le cheat code pour skip. Hein. Mais j'ai pas compris, mais tout à l'heure, j'en avais pas des continues. J'ai fait que de bourrer les safe states, moi, j'aurais pu en perdre. Parce que le jeu avait compris qu'on avait une safe state. Ok, attendez. On va relancer. Merde, alors c'est... Ok. Merde. Alors. Je suis sûr. A, B, droite, A, C, A, bas, A, B, droite, A. J'ai pas l'impression que ça a marché. Hein. Ça a pas marché.
Ah ouais, je suis con. Ah, j'ai pas fait les bonnes touches, je suis bête aussi. Hop. Ok, c'est bon. Ok. Bah. C'était marqué appuyer sur start pendant le jeu pour le niveau suivant. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est bon. Pas mal ces petits cheatcodes. Ça, on pourra recommencer la course avec toutes nos lives là. Ok, d'accord. Bon, ok, on a déjà fait pas mal de niveaux en vrai. Hein. Je sais pas où on en est dans le jeu, mais pas mal en tout cas. Ok, là, c'est Buzz qui veut nous tuer. Après c'est la course là, enfin le mon jeu karting. Et après il y a la fuite avec Rex. Ça veut dire que les mecs ils ont vu le film, ils se sont dit ouais Rex il aide Woody, il est sympa quoi. Alors que en vrai il est juste en mode non, je dis rien quoi. C'est déjà pas mal par la version Mega Drive. Wow. Ouais c'est ça, mais ouais je crois vraiment que là, dans la version Super NES, il y a au moins 2-3 niveaux en moins dans ce qu'on vient de faire quoi. Genre ça va vraiment encore plus vite que ça dans la version Super NES. Ouch. Hop. Ah, y'a l'enfer. Oh, y'a un petit checkpoint là, je t'en supplie. Hop, oh l'enfer. Karting, une crapule en vrai. Il parle pas beaucoup, mais il en pense pas moins. Après, c'est peut-être Monsieur Patate qui le dirige après. Ce serait pas impossible. C'est bon, on a gagné, incroyable. Et voilà, il est passé à zéro, continue, j'ai pas compris. Andy, to find boss, take Woody with him. Voilà, donc voilà. Donc voilà. Donc Andy, il a pris Woody pour la Pizza Planet. Sauf que quand il les voit partir, Buzz, il monte à l'arrière de la voiture. Incroyable! Prochain arrêt, Pizza Planet. Ah ouais, il fait ah Buzz, je suis content que tu ailles bien. On va retourner et dire aux autres que tout ceci n'était que je suis d'erreur monumentale. Heureusement pour toi, le concept de revanche n'existe pas sur ma planète. Ne rendez pas sur ma planète. Voilà, là, faut qu'on se défende de Buzz qui veut nous niquer. Pour. Hop. Ah, d'accord, ok, faut qu'on le foute dans le pneu. Ouais, il y a marqué méga, méga soft. Ouais. Ouais.
Ah, il nous a infinisé. Il nous a infinisé, le buzz. Merde. Au secours. Ah d'accord, je peux balancer. Ah. Ok, attendez. Peut-être que je lui balance. Ok, faut peut-être pas que je fasse. Peut-être que je lui balance dessus, peut-être. Ah. Oui, bien joué. Ouah. Ok, on a compris comment on veut l'avoir. Merde. Waouh! Il veut nous faire du mal! Non. Putain, j'arrive à l'avoir une fois, par contre deux fois c'est chaud. Merde. Ouais. Non, il m'a fini. Il m'a fait ha mist. Ok. Ok, maintenant, tac. Merde. Pourtant, Woody, il est flagrant, hein. Il a vraiment une grosse hitbox. Hein. Faudrait que Woody soit plus petit, quoi. Merde! J'ai pas le goût, mais. Oui, mais non, t'abuses là, t'abuses. T'abuses! Oh là, t'abuses. Non, arrête! Non, pousse! Pousse! Oui, comment il est dur! Je peux rien dire ce combat! Pourquoi je peux pas toucher avec mon. Avec mon filet là? Ah, d'accord, c'est bon. Ok, ouais! Oh le sac. Ah ouais mais c'est abusé. Ah non mais ouais mais il abuse. Ça fait déjà deux fois que Buzz est le boss. Le vrai ennemi Toy Story hein. D'ailleurs ça. C'est un antagoniste en Buzz dans tous les films d'ailleurs. Peut-être pour ça que dans le 2 il y a Buzz sur la jaquette. Hein. C'est vrai que si on dit bon, y a bon Buzz c'était le méchant pendant tout le premier jeu. Enfin que ce soit le héros de dans le deuxième quoi. Non. Maman. Sont bien les musiques. Ah
Anti-bagbuse. Oh, mais d'où il est pas dedans là? Non, je veux pas le Beyond. Voilà, mais il rentre pas dedans là, alors que c'est stylé de l'avoir en l'air. Ah, le sac! Ah, faut que je touche encore une fois. Touche-le! Putain, mais touche-le! Non, bah, pas le bien! Non, mais touche-le! Touche-le! Dingue! Venez, on joue aux visiteurs à la relique de Saint-Roland. Je crois qu'on y a déjà joué en plus. Ça me dit un truc. Ouais. Voilà, donc là, ils sont en train de se goumer la tronche. Et là, Andy et Sadaron se cassent. Et donc, ils doivent trouver un refuge dans une voiture qui va à Pizza Planet. Incroyable. Et cette voiture de Pizza Planet est dans quasiment tous les films Pixar en easter egg. Et elle est aussi en easter egg dans le monde Toy Story de Kingdom Hearts 3. Et ça, c'est beau. Voilà, il se déguise en canette, enfin, en gobelet et en sachet de burger. Regarde où tu vas! Food and drink. Voilà, ça y est, Buzz et Woody sont enfin collègues à partir de là. Try cross pizza planet avoiding the following food. Ok, let's go. Bah. Pour le saut. C'est rigolo ce niveau. Des petites frites en 3D qui tombent là, pas dégueu. Pas dégueu. Ah merde, je suis mort, attends, j'ai fait une bêtise, c'est ma faute. Alors, ok, on est bon. Merde. Pour les canettes. Oh, y'a tout qui tombe quoi. Oh, les burgers. Merde, on se fait tuer comme un sac. Oh, la palette de couleurs de ce niveau est évidemment très spéunée TV compatible. Aïe. C'est Woody qui se prend tout pendant que Buzz passe tranquille. Quoi. En tout cas, je me souviens aussi du passage dans le film, hein, d'éviter des burgers et des... Ah, bordel. Mais d'où des frites, ça me tue, quoi, merde. Ça veut rien dire. Sans typique, j'aurais trop, ça. Voilà. C'est des tout petits burgers, des petites frites comparées à la taille de Woody. Ouais, c'est ça, genre, ça veut rien dire. Ah, putain. Merde. Ah, ouais, c'est le soft lock. Attendez. Non, hop. Ouah, mais... J'en finis. Mais comment... Ah putain, d'accord, ok. Ah putain, non, mais... Oh, le jeu qui a aucun respect. Oh, oh mais comment c'est là, dur, quoi. Tu devais tellement péter un cap sur ce niveau quand t'étais petit, quoi. C'est infernal. Au secours. Non. C'est pas vrai. Faut que t'évites les piétons et les canettes en même temps, quoi. C'est infâme. Mais putain. Mais il est
juste derrière. Mais oh, vas-y, c'est infernal. Quoi. Comment c'est trop. Oh putain. Comment ne pas casser son écran. Putain. Non mais ça suffit quoi. Vive les safe tights. Oh mais même là les safe tights. Putain mais. Oh mais, oh mais les êtres humains c'est vraiment les pires ennemis dans les jeux vidéo à chaque fois. Non mais là il me. Non mais ça suffit quoi. Je quitte mes soeurs. Non mais le rythme a... Mais le rythme il est infernal quoi. Ouais vache, maintenant il y a deux canettes à chaque fois. Ça va Buzz, il tient ou pas? Il tient le rythme ou pas? Parce que c'est compliqué quand même. Et merde. Ah bordel, ça suffit la vie quoi. Ça suffit. Je n'en peux plus. Oh, mais... T'as daronne quoi. Hop là. Non mais... Aïe 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 aïe, à ce niveau, là, ça devient de plus en plus dur quoi. Vraiment c'est là, là dur. Ouille. On te picote un peu hein. Ouh. Tu vas chialer. Regarde notre bouffon vert junior. Tu vas chialer. Putain c'est pas vrai. Ah, le frame près quoi. Non mais maman. Putain des trucs là. Oh mais putain de dog aussi. Putain de burger. Putain d'avion en papier. Et pourquoi il y a des avions en papier? Ça veut rien dire. Mais pourquoi ce niveau il est infini? Pourquoi c'est le plus haut niveau du jeu? Mettez-moi la phase avec karting, c'était très bien. Non mais... Mais wesh, mais c'est... Mais c'est des frites. Ça fait pas mal des frites. Un burger non plus, tu me diras, mais quand même. Oh, aïe aïe. Non mais... Putain, mais... Non mais... Non mais la fin du niveau, elle est quand, là? Au secours. Foire, wow. Je veux voir le speedrun de ce jeu. Non mais c'est trop là. Non, mais c'est trop. Je commence, c'est trop. Putain, on voit qu'il n'y a pas un timer quoi. Putain, mais... Le timing, quoi. Ouais, ok. Non mais l'abus. Non mais l'abus, what. Regardez, on part directement juste après... Regardez, juste après qu'il y a des canines à tomber, là. Regarde. Putain, mais en plus, faut calculer le fait que t'as un humain qui va spawn ou pas, quoi. En plus, il y a ce putain d'avion, mais au secours, quoi. Non, mais c'est beaucoup trop dur. Non, mais ils ont pété un câble, en fait. Ils ont juste pété un câble. Non, mais c'est trop, là.
Mais Buzz, aide-moi. Ah, au secours. Maintenant. Non. Oh, mais les êtres humains, mais je les hais, quoi. C'était trop dur. C'était tellement dur. L'abus. L'abus. Buzz actuellement en une boîte de nuggets. Tu peux t'aider. Ouais, c'est ça. Back to the Sector 4. Ouais, donc là, il y a Buzz. Il croit que la machine à grappin, c'est un vrai vaisseau spatial. Spatial Buzz. Toi, ah, on est dans les on est dans la machine avec le rapin, quoi. Il y a les pièces qui tombent et tout, d'accord. Attendez, ce qu'on va faire, c'est voilà, on va mourir comme ça, hop, on récupère toutes nos vies, et ça c'est bon. Parce que sinon ça va encore être le safe states, le niveau, quoi. Le niveau officiel safe states. Ok. Voilà, ça c'est le genre de niveau qu'on veut, ça, des bien, des niveaux bien, quoi. Du moins qu'on l'air bien. Mais que c'est que ce bruit? Moi. Ouais. Mais c'est quoi? C'est quoi ce bruit? Ce son. Eh merde, c'est rien, c'est la rue. Ok. Man, oh, j'ai la bulle. Putain, même une phase de plateforme, et pas, ils sont en mode sadique, quoi. Ça veut rien dire. Ah ouais, mais c'est trop. Il dit, oh, c'est une petite phase de plateforme sympa. Ça va pas partir en couille direct. Ah, que nini. Ok. C'est bon. On y gagnera. Alors. Ok, je vais là-bas. Oui, non, oui. Oui, non, oui, non, oui. Ok, c'est bien. Quoi? Ce bout des pièces. Alors, ok. 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 C'est infernal, le jeu. Hi-ha, comment? Putain, chemical plant. Yeah. Comment on monte? Quoi?
Il y a un jeu de mon enfant que j'aimerais bien me refaire, malgré tous ses défauts, c'est Donkey Kong 64. Parce que c'est vraiment un jeu de l'amour aussi. Hop, putain. Oh bordel, non, non, c'est pareil, non, arrête, 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 arrête. Voilà, ok. Aouh. Aïe 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 aïe, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Oh, aïe, aïe. Putain, c'est pour ça que j'avais même pas fini. Même en émulation, j'avais pas fini sur Super Nintendo. Quoi. Hop. Il me semble que les pièces de rétro découvertes où Edouard en part, il aussi en mode le jeu, il est de la dure quoi. Genre. Il se pète un cap. Ok, c'est bon. C'est dommage parce que le jeu il est vraiment joli et tout quoi, genre on sent qu'il y a de l'amour mais putain c'est vraiment typique des années 90 quoi. C'est le jeu de l'enfer quoi. Alors. Ok. Ouch. Prof. C'est infernal. Mais en fait le plus gros problème du jeu c'est Woody quoi, genre vraiment. Vous dit le plus gros problème de son propre jeu. Il est juste trop grand l'enfoiré quoi. Raccourcis-toi un petit peu, vous dit. Putain. Il y a gros sur la patate. Putain. Peu importe quoi. Vas-y. Ok, on est bien. Oh les Jones. Oh là là. Ça finit bientôt ou pas? En tout cas j'adore ce passage dans le film aussi. C'est mon passage préféré. Hein. C'est normalement il rentre juste comme ça, tu vois, il rentre par la gouttière quoi, ça n'a aucun sens. Hein. C'est vraiment ce que je crois qu'il faut faire. Ah ouais, c'est chaud. Mais c'est la dure. Ouais, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Non, on y était là. Le mec qui piffe. C'est bon, foi. Ce jeu. Ouf. Oh, des visiteurs venus d'ailleurs. Les jeux de l'époque adoraient prendre un infime passage du film et en faire un complet. Ouais, c'est ça, c'est comme si tu faisais. Un jeu Harry Potter, mais tu prenais. tu joues Harry sous l'escalier, quoi. Genre, un niveau incomplet sur la petite chambre d'Andy sous l'escalier, de Harry sous l'escalier. Alors, tu joues Dudley qui saute sur les escaliers le matin.
Ou alors, un niveau où tu joues oncle Vernon qui doit éviter les lettres. Hop. Ouais, et là, un niveau FPS aussi exclusif à la version Mega Drive. Et là, on est vraiment dans le futur. Par contre, j'ai pas compris ce que je devais faire. Attendez, j'ai une meilleure musique pour ce niveau. En plus, oh putain, il y a du temps limité. Attendez. J'ai une meilleure musique pour ce niveau, bien sûr. Il est stylé. Faut les mettre dans le trou. Ah oui, c'est ça. Okay. Je vois pas que votre musique aura pu le faire, ouais, c'est ça. D'ailleurs, moi j'avais Doom sur Super Nintendo quand j'étais petit. Je sais pas, ils sont paumés, faut les ramener dans le bac. Il est quand même hyper ambitieux le jeu. Alors vraiment. C'est un peu. C'est un peu la démo de Matrix sur PS5 finalement. On adapte un film qui est extrêmement ambitieux pour l'époque. Et du coup on en fait un jeu extrêmement ambitieux pour l'époque. Vous voyez. C'est un petit peu pareil finalement. Alors, qui demandait à avoir un passage FPS dans son jeu Toy Story? Personne, et ils l'ont fait, et ça c'est beau. Putain, ils sont où? Ils sont, c'est con. Il en reste encore 5, on en trouve pas un seul. Oh mais c'est chelou en vrai. T'as sûrement d'autres trucs à faire hein. Ça m'a l'air un petit peu dur. Putain, on a perdu. On recommence. On a mis Doom Eternal en jouant à Oblivion et maintenant on met Doom 1 en jouant à Toy Story. Ça c'est beau. Peut-être remettre la musique du jeu. Peut-être que la musique du jeu nous égayait sur. Il y a peut-être un bruitage qui nous indiquait ce qu'il fallait faire. Je sais pas, dans le doute, on sait jamais. Wow. Les visiteurs venus d'ailleurs. Cette porte.
Ouais, c'est vrai quoi. Il y a le mec qui s'est souvenu du klaxon Doom dans Forza Horizon 5. Ah, c'est peut-être là. Ah putain, il y avait c'était une porte ça. Hello. Bon, ça devait être le feu quoi à l'époque. Ça pardonne presque le niveau infernal des gobelets là. En tout cas, c'est le niveau le plus safe du jeu, parce que là, il n'y a personne qui peut te tuer. À part le timer. Les cris sont garantis. Aïe, je me fais bousculer. C'est vrai que je me suis mis sur le vocal, sur Discord, mais personne RT. Ouais, mais on a plus que 20 secondes pour les autres. Ah ouais, c'est infernal. J'ai pas le temps en fait, c'est pas possible. Je sais pas si on dirait qu'on peut courir. Non. Non, en fait, j'ai rien dit. C'est trop dur. Au secours. Est-ce que j'ai encore le code? Je crois pas que j'ai le code encore. Ah si, c'est bon. On va re-skipper les potes. On va re-skip comme des sacs. Allez, on aura peut-être fini au moins le premier jeu ce soir. Je pensais pas qu'il allait être aussi long. En tout cas, oui, le jeu est rentré complet et bon. Vu que le jeu est vla dur, je pense qu'à l'époque tu devais mettre 10 ans à le finir. Heureusement qu'il y avait les cheat codes quand même. Pour le fuir comme des ouf. Mais heureusement qu'on se peut skipper hein, le niveau du gobelet là, parce que franchement, Oh, Ok, on est bon. Ok, let's go. Voilà, on se dépêche. On a là. Bon, je sais pas si je peux ramener plusieurs d'un coup, je crois pas. Ouais, non, c'est ça. Hop. Et on se dépêche. C'est dur, hein. À peine 3 minutes, hein, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Hello. Mais je suis impressionné qu'une Mega Drive ait pu cracher ça, quoi. Et pas sur une Super Nintendo, parce que non, c'est pas sur Super Nintendo, mais je sais pas pourquoi c'est. Donc, je pense qu'une Super Nintendo aurait pu le faire, ouais, ça. Qu'il y a Doom sur Super NES. Mais bon,
ça c'est la puissance de... de Maître Seiya. En gros, sur la version Super NES, il y a surtout les niveaux classiques, quoi. Les niveaux en 2D où tu te déplaces, quoi. Hop. Ouais, c'est short en vrai. Hein. L'aller-retour, ça prend moins 20 secondes. Hein. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est pas vrai. Il y a peut-être un autre endroit où on peut les jeter, peut-être. Tant que j'y pense. Ça peut se regarder dans le doute. On peut voir ça. C'est un peu compliqué, quand même. C'est compliqué, quoi. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut les jeter. Ah oui, c'est chaud. C'est tellement chaud. Ah si, là. Ok, d'accord. Ah ouais, bah c'est mort du coup. Ok, bah j'ai bien fait de vérifier quand même. Ok. Bah, c'est moins dur que prévu, mais si ça reste dur quand même. Hein. Ok. Capiche. Ce fameux passage du film aussi, encore une fois. C'est bon. Merci beaucoup, étranger, de nous avoir aidé. Attention, chute, la pince bouge. Et là, il fait... Ah non, c'est Sid. Un petit coup de beurre, là. La pince. J'en pince pour toi. Donc là, il faut empêcher que Sid chope Buzz avec la papince. Ah. Comment je fais? Déjà fait. Parce que Buzz il est là, ok. Pourquoi il y a le fil là? Attends, peut-être que je le fasse tomber avec les... Non. Ok.
câble électrique là. Site qui est pas du tout inquiété de voir un jouet bouger dans le truc. Ah putain. Ah, les bruitages sont garantis. Je comprends pas. Attends, qui peut safe une suicide. Ouais bah ça c'est pas un indice ça. Un indice ce serait de me dire quoi faire. Ça ça me fait des dégâts, d'accord. Ça aussi ça me fait des dégâts. Je comprends rien les potes. Infernal quand même ce genre de jeu. Faut que je baisse le bras de Buzz là non? Comment je le fais tomber? Mais c'est infernal. Mais... Si quelqu'un a une idée, qu'il me le dise. Je ne vois rien. Mais laisse-le, mais laisse-le! Non, pas mon Buzz! Non! Je vais pas t'accrocher à Buzz, j'ai pas l'impression. Parce que là, le but, c'est empêcher qu'il le prenne. C'est vrai que dans le film, il s'accroche à lui, il essaye de faire tomber la pince. C'est peut-être ça qu'il faut faire, mais j'ai pas l'impression. Je peux envoyer les petits aliens, là, ça c'est sûr. Peut-être que je l'envoie, quand la passe essaye de le prendre. Non. Et là, le câble, il est chelou, le câble. C'est chelou le câble, y'a un truc à faire, non? Attendez. Voilà. La soluce là. La soluce. Hop. Alors, Toy Story Mega Drive. Ils font tout le jeu. Lui il fait tout le jeu en une. Il fait le jeu en une heure lui. Ok, on est dans le dernier tiers du jeu du coup. Comment il fait du coup? Ok, quand il prend Buzz, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. J'aurais pas compris ça tout seul. Hein. En gros, tu peux faire ricocher les petits êtres. Salut Valentin. Tu peux faire ricocher les petits aliens. Ça va quoi? Le câble il met la pression aussi. Non, non mon Buzz. Ouais il est chaud. C'est vraiment dur ce jeu. Ow.
Allez. Non. Non mais l'abus, non mais l'abusé là. Il n'a aucun sens le pattern déjà, ce genre. Faut pas le faire tomber avec la pince. Faut envoyer des petits haleines dessus, quoi. Voilà, c'est infernal. C'est bon. Je suis pour arriver au meilleur moment des jeux. Non mais Valentin, c'est comme ça depuis une heure. Tout le jeu est dur. C'est pas juste ce passage. Par contre, t'as raté la phase FPS qui était incroyable. Il faut absolument que je retrouve un magazine où il y a le test du jeu. Ça touche. Non, il a pris notre buzz. Non mais c'est infernal. Non. Oui. Sans first try bien sûr. Quoi? Non. C'était pas encore fini. Trop tôt le GG, trop tôt. On se fait quand une partie de Fall Guy? Jamais. Allez hop. Je vais pas me saouler Valentin. Non, il est jusqu'à quand le l'événement? Ah. Et après je serai plus abonné au PS Plus, donc je pourrai plus jouer avec toi, mon gars. Parce que moi je joue sur PC à la base. À part si le jeu passe free to play. Mais c'est une blague. Oh, c'est infernal. Parce qu'il faut aussi que tu calcules le fait de ne pas l'envoyer trop tôt, sinon il va pas sur la bonne trajectoire. Encore une fois, la hitbox elle est minuscule. On commence depuis le début, parce que la saison ça va être... Bon, je vais juste tout casser. Jusqu'au 27, ok, ça va, y'a large. Coup de tête. Aïe. Merde. T'es mort. C'est notre buse, c'est pas le tien.
Pour tout savoir qu'il se fasse quand même emmener, hein, parce que sinon il n'y aura pas de film. Oh non, pas la chambre de cible. Il est mort, Buzz. J'avoue, Buzz, il est très stoïque. Hein. Comme dans le film, en vrai. En vrai, dès qu'il le voit, il bouge plus. Ah, bordel. Les jouets sont vivants! Oh, c'est infernal. D'où ça tout? Mais vous, comment c'est chaud ce jeu, quoi? Oh là là, un coup, il vla dur. C'est pour les enfants, rappel à la base. Un adulte de 24 ans n'est pas censé galérer autant. Oh là là. Ok, je pense qu'il y a un pattern. Non mais là franchement si ça passe pas, mais c'est juste pour me prank. Ce jeu du prank. Ce jeu du prank quoi. Oui. Allez. Il a fini le jeu. Ah les bruits d'aliens là, je les entends toute la nuit. Allez, c'est le dernier try. Oui. Le grappin, notre maître, il choisit ceux qui partent et ceux qui restent. Adieu mes amis, je m'en vais vers un monde meilleur. Il faisait un peu peur Toy Story hein, des fois quand même. Notamment la chambre de Sid, c'est pas rassurant. Le 2 il est un peu plus joyeux quand même. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent le 2, si t'as plus de blagues, plus d'aventures, plus de trucs. Mais bon, je pense que je préfère le 1 quand même. Tout parce qu'il y a Sid, c'est un personnage incroyable. T'en faire, deux pour le prix d'un. On va rentrer et on va se marrer. Voilà, Evil Loaf, head home to play. Pourquoi le skip? Où est le campement rebelle, traître? L'araignée tête de poupée, tête de bébé. Bravo, cowboy. Un faible aurait parlé sous la torture. J'espère que ça partira, le vache. Make your way across Seed Desk, but look out for Seed. Oh my god. Ow. Je m'en souvenais pas comme ça du bureau de Seed. C'est Traveler's Tale, je pense. Hop. Ouais. Ils ont fait plein d'autres jeux à licence très sympa. Hop. Ah merde. Du coup, normalement, demain, on fait la session Switch, hein, je pense, demain.
si vous passez. Je verrai si je fais l'après-midi ou le soir en fonction de la motivation. Hop. Hop, je vais juste sauter en dessous. Ah, ok. Ah, il s'accrochait, incroyable. La maison de Gargamel. Je fais du hashtag. Ouais. Ah, et à la fin, le gros JDG tue les Schtroumpfs. Ah putain. Hop. Ah, et non. Le speedrun ne marche pas sur ce jeu. Aïe. Du moins pas quand on a pas de talent pour. Hop. Non. Ok. Yeah. Ouais. Moins vite. Oh bordel. Ow. 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 Oh le bruit. Le bruit infini. Mais ce jeu, mais il est dur. Il est tellement dur. Au. Joueur du grenier Toy Story bientôt. Ah, bordel. Ouah. Mais j'ai pas sûr qu'il faisait des araignées mécaniques, Sid. Pouah, trop stylé. Ah merde. Ouah. C'est incroyable. Ah, c'est pas fini encore. Pouah. Ça va être ça tout le temps. ce fameux passage où Sid regarde Woody courir. C'est genre aucun sens. C'est aucun sens. Genre, ah bon, les jouets sont vivants, mais c'est incroyable. Ils se débattent juste à mort quand je les crame. Quoi. C'est genre il fait ça dans le film mais c'est une fois et surtout Woody part pas en courant devant lui quoi, ça a aucun sens. Fait Woody comme un enfoiré ici, lâche-moi là. Oh putain, ça va encore être l'infâme. Ça va encore être l'enfer. Quand je suis hot. Non. Pour vous dire, torturé.
Ça ferme. Ça finit en plus. C'est quoi ces trucs? C'est des yo-yo piquants là? Putain, mais Woody, sois moins grand s'il te plaît! Oh, c'est pas vrai ça. C'est fini. Ah putain, faut vous dire quoi. Fait de la peine là, franchement. Fait vraiment de la peine. Au secours. Au secours, les gens roulent dans le bus. Ah, t'es dans le bus? Bon courage, mec. Ah, les bus lyonnais. Ah putain, d'ailleurs il y avait le concert Final Fantasy VII ce soir à Lyon. Ouh. Oh, le jeu qui troll à la fin quand même. Comment c'est dur. Bon, professeur Witto, ça j'en peux plus. Sers-toi de ton bras à karaté, mais... Non, petit, n'aie pas peur. La bataille des jouets mutants. Buzz is somewhere in said room. You have to find him, but keep moving loud for things. Ok. Attends, vas-y, hop, voilà. Merci, je veux toutes mes vies. Oh des putains, des gens se fait... Non, on se fait déjà toucher des fois. Deux secondes quoi. Ah y'a le... Regardez la réveil de Syl là. Incroyable. Comment je... Quoi? Je peux pas monter. Ah. Pour la musique. Le fameux RPG Toy Story. Putain, j'en veux un maintenant. Ok. Ow. Pour la musique, elle est garantie. Il s'est passé. Merde! Oh, je suis pas vrai, ça c'est la vie, ça. Ok. Ah, ok. Non! Ah, d'accord! Ok, point! Pour la phase de plateforme, ils l'ont un peu piffé à la fin, quand même. J'ai l'impression. Ah ouais, faut aller de l'autre côté et tout. Ah
Pour la musique, elle est incroyable par contre. Oh non, je suis un connard, on peut le faire ça. Ah oh, si, c'est bon en fait. Hop. Aou. Ton avis sur le jeu? Aou. Je pense que ça résume bien le jeu. Aou. Merde. Oups. C'est bon, on est content. C'est la maison du content. Hop. Non. Putain, mais combien de temps on est sur eux? Ça fait au moins 2 heures, je pense. Oh putain! Aou! Quelque chose me dit que les jeux d'après seront moins durs. Quelque chose me dit que les jeux Toy Story suivants seront un peu moins énervés que celui-là. Non, mais c'est pas vrai. Ouais, les musiques sont cool, hein. Le jeu est grave. En fait, ça, tout le jeu est si stylé sauf la difficulté. La difficulté est beaucoup trop énervée. Mais sinon, le jeu est vraiment bien, quoi. Le jeu, il se renouvelle tout le temps, il a plein de bonnes idées, il est hyper fidèle au film, vraiment trop cool, quoi. Enfin, il a ses interprétations, on va dire, mais voilà. L'ambiance est vraiment là, quoi. Yeah.
Attends, tabasse Gambette et l'autre là. Pendant que le bébé essaie de nous tuer. Ah, le bébé qui essaie de nous pincer le cul. Ah, secours. Au secours. Pouh. Oh, je mets ce type pour faire le jeu. Ah, vite Buzz, on se casse. Ah d'accord, et là du coup Buzz il est en pleine crise existentielle. Non, je ne suis pas un ranger de l'espace, je suis qu'un joué inutile. Voilà, puis Woody lui fait, tu n'es pas un jouet, tu es son jouet. Ah, puis il essaie, il fait, j'ai toujours rêvé d'envoyer un cosmonaute sur orbite. Sid, évidemment, un gamin de à peu près, je sais pas, peut-être 10 ans qui écoute du hard rock. De toute façon, dans le film, il y a plein de... Il y a tout un sous-texte sur le sur la sur les parents de Sid et tout, tu vois, que c'est quand même une famille très très compliquée, quoi. Tu comprends qu'il a un daron alcoolique et tout, ouais. Un peu compliqué, quoi. Pauvre Sid. Et tout sa pauvre sœur qui est beaucoup trop gentille, quoi, pour ce monde de brut. Hop. Roller Bob. Use Roller Bob to escape across Sid's house. Watch out for Scud. Sid's pet dogs. Bon, le Scud la raclure. Oh putain, ça va quoi? Oh non, c'est un niveau comme l'autre là. Avec une seule vie. Non, mais jamais on le fait. On a qu'un seul PV, jamais de la vie. Jamais de la vie on le fait, les gars. Va falloir tout refaire. On va devoir tout reskipper. Ouais, ça c'est Traveler Style, encore une fois. Qui ont donc fait ensuite le Toy Story. Le Toy Story Racer de la PS5 qu'on a vu tout à l'heure. Qui était très bien aussi. Traveler's Tale, les pros de Toy Story, quoi. Ça va vous sinon? Un peu speedrun. C'est le speedrun avec un cheat code. Donc c'est une run comme une autre. Je vais la soumettre à GameZone Quick. Hop. Ah Chicory, un chef-d'œuvre. C'est beau, ça c'est un bon jeu. Hop. Ça va, t'aimes bien pour l'instant, tu kiffes? T'en es où? J'ai fait son portrait. Ah t'as fait le portrait de Chico. Ah merveilleux. D'ailleurs, le personnage de Chicory est vraiment merveilleux, quoi. Genre, c'est vraiment un des meilleurs personnages que j'ai vu dans un jeu. Très très relatable, sur beaucoup de choses. Hop. Mais pizza n'est pas non plus... pas non plus à déplorer. Hop. C'est un très bon perso. Hop. Allez, hop, on est bon. C'est mon ami, c'est le seul qui me reste.
Ouais, oui, Pizza, c'est le perso principal, il me semble, c'est ça. Enfin, ça peut... Tu peux l'appeler Pizza, après moi, je vais l'appeler autre chose, je pense. Ah. Au. Ouais, le perso principal, il est chouette, j'aime beaucoup. Genre, il est gentil, mais il est un peu bébête et tout, j'aime bien. Hop. Ah. Je vais l'appeler Burger, c'est beau. Mais c'est rigolo que tout le jeu, c'est du long de bouffe à chaque fois. Putain, la fameuse maison de site qui fait 30 mètres carrés. Enfin, 30 km carrés plutôt. Ah, hein. Oh, le Scud, là, il est nerveux. Mais non, ça, c'est Scud, idiot. Sid, c'est lui. Ah. Ok, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Yeeha. Pouah, ça a l'air chaud de ouf. Oh là 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 là. Pouah, les mecs ont encore pété un câble. C'est tout dans leur tête. Le Traveler's Tales vous ajoute à ma liste d'ennemis. Ah, il demande le nom de ton aliment. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah du coup, j'ai dû l'appeler Raclette. ça devait être Raclette, mon perso, du coup. Ça fait un petit peu écho à Earthbound, finalement. Il te demande aussi ta nourriture préférée au début dans Earthbound. Oh là 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 là, mais pétaque! What the fuck? Pense à récupérer tous les petits chats qui sont perdus parce que il y a une trop belle histoire très émouvante. Quand tu vas retourner voir la maman chat à chaque fois. Ah putain. Ce jeu de fou. Ah, il rend fou le jeu. C'est bon. On a réussi à pas mourir. Voilà, là ils vont piéger Sid. Il est un serpent dans ma botte. Il est pété ce jouet. Tu penses vraiment que je suis pété, petit? Nous, les jouets, nous voyons tout. Alors, pas de violence. Voilà, du coup, après, bon, voilà, effectivement. Il monte dans le camion, il balance karting pour sauver Buzz. Et les autres, ils sont en mode, mais il recommence. Daytona, poids le jeu de mots. Waouh, wow. Ouais, c'est chef d'œuvre. Voilà, c'est voilà, là c'est mieux que Toy Story Racer sur Game Boy Color, vous voyez. Là c'est mieux. Allez. Je crois que c'est l'avant-dernier parce qu'après le dernier c'est quand tu joues Buzz qui vole, je crois. Je pense à récupérer l'énergie. Oh, le camion de déménageant. Putain, il y a des camions partout. Woody, les déménageurs.
En vrai, je suis content de streamer le jeu parce qu'il est sympa. Par contre, c'est vrai qu'on souffre. Hein. C'est vraiment la... l'ambition du jeu pour l'époque est vraiment incroyable. Surtout pour un jeu licence, hein, les mecs ils, pourraient juste... ils auraient pu juste pas se faire chier et voler de l'argent aux enfants. Quoi. Les mecs se sont dit non, on va faire un putain de bordel. On est des ouf. Hop. Ah zut. Quel putain de bon film! Salut Biff. Est-ce que ça te dit quelque chose, l'almanach des sports? S'il fallait citer une de mes autres trilogies préférées sur le cinéma, ce serait évidemment Retour vers le futur. Hop. Mais là, il n'y a pas beaucoup de bons genres Retour vers le futur. Il hein. y a le point and click de Telltale qui est vraiment sympatoche. Enfin, je le trouve vraiment sympa. Et il y a le jeu Super Famicom et qu'au Japon, c'est Super Back to the Future 2. Ou c'est Sonic en fait. C'est Sonic avec Marty McFly. Il n'y a pas d'autre mot. Le jeu n'a aucun sens. C'est vraiment c'est Sonic. Mais tu prends Sonic et tu mets Marty McFly à la place. Et t'as t'as Super Back to the Future 2. Merci d'être venu, Woody. Pas de problème, Buzz. Maintenant on va devoir attraper ce camion. Tu es prêt, Woody? Let's go! Puis après, il y a des twists sur des twists. La semaine prochaine, ma famille va passer Noël chez moi. Je ne passerai sans doute pas beaucoup. Du coup. Ouais, bah de toute façon, moi je descends le 23. Donc, ouais, pareil, je ne vais pas streamer beaucoup la semaine prochaine, en tous les cas. J'essaie d'en faire au moins un ou deux, ce serait cool. Mais sinon, après, je vais sûrement. Rester chez la famille, je pense que je vais revenir un petit peu avant le 31, et puis vous laisserez la fête du slip. Hop. Merde, j'aurais peut-être dû faire une safe state, on sait pas. Ah, il est pile, pile. Ok. C'est pas fini, du coup, ça c'est l'avant-dernier niveau. Bordel. Le jeu qui veut pas se finir en plus. Les mecs, vous êtes trop content de faire un jeu Toy Story. En même temps, moi aussi, je serais très content de faire un jeu Toy Story, donc je les comprends. Quand tu vois un bon film, t'as envie de faire un bon jeu adapté, quoi. C'est normal. Tu dis... Les mecs, ils se sont emmerdés à faire un bon film, je vais m'emmerder à faire un bon jeu, quoi. Je voulais pas si. Alors. Sinon, c'était vrai pour tous les jeux tirés de film, j'avoue. Aïe. Il faudrait qu'on teste aussi les tout premiers jeux. Parce qu'au début du Marvel Cinematic Universe, il y avait quelques jeux qui étaient faits par Sega. Il y avait un jeu. Il y avait deux jeux Iron Man, un jeu Thor et un jeu Captain America. Et pareil, qu'ils sont tous rincés. Donc il faudrait qu'on y joue. Il y avait aussi un jeu Hulk, je crois. C'était au début du MCU. Marvel avait très à cœur de faire des jeux en plus des films. Parce que ça se faisait encore à l'époque. Alors que maintenant, c'est. Bah, du coup, maintenant, c'est pas du tout le cas, quoi. Ou alors il y a des jeux Marvel, mais ils n'ont rien à voir avec les films, quoi, aujourd'hui. Comme le jeu Gardien de la Galaxie, que je vais peut-être avoir sous le sapin, d'ailleurs, et ça fait très plaisir.
contre, je pourrais pas y jouer Day One, donc je vais pas emmener la PS5 chez ma mère, vu qu'elle pèse une tonne. On va juste ramener la petite Xbox sous le coude. Et la Switch aussi serait une belle occasion de continuer l'histoire. Allez, c'est bon, là. Voilà. Ouais, c'est une culte. C'est une archi-culte, ça, vraiment. Trop, trop cul, cette scène. Avec Zigzag qui essaye de les attraper, là. Je vais lâcher Woody. Puis après, la petite référence à Hakuna Matata. Mais quelle phrase fantastique. Rocketman, ok. This is it, the truck is in the sight and Andy's mom car is just in front of it. Incroyable. Allez, c'est parti. Here we come. Voilà, et on abandonne car... On abandonne karting, hein, comme dans le film, il l'abandonne sur le bord de la route. Ça rend des sacs, normalement ils mettent dans le camion. Là c'est vraiment juste on l'abandonne. Notre vie ont plus de valeur que la sienne. Putain. Il l'abandonne comme un malpropre, c'est trop triste. Pauvre karting, y'a que moi qui l'aime bien ce personnage. Il peut pas parler, il me fait de la peine. Hop. Et tu sais pas parler. Visiblement un jeu Brise de Nice d'ailleurs, hein, tant que ça. Il y a peut-être un RPG Maker Brise de Nice. Hein. Ah, tu l'as aussi demandé à Noël, ah, c'est beau Valentin. C'est beau. Hop. La phase. Ow. D'ailleurs, j'ai posté mon test de Pokémon hein, sur Génération Nintendo, n'hésitez pas à le lire. Ouais. Quand je produis du contenu, il faut savoir aussi en faire la promo. Ok. Normalement, sous le sapin, j'aurai peut-être quelque chose qui va égayer ce stream. J'en dis pas plus. Et quand je l'aurai, vous serez sur le cul. Parce que là, on comprendra que Spoiler TV a atteint un niveau au-dessus, quand même. Ouais. Ah merde, ah putain. Ah, fallait pas... Je vois le camion de déménagement. Si, ça veut rien dire. C'est la fin alternative, où ils rentrent dans le camion de déménageur et pas dans la voiture. Mais auriez pu au moins déposer karting dans le camion de déménageur avant de ça, quoi. Woody. C'est la timeline où Woody et Buzz sont des connards. Ouch. Le gâteau. Non. Bah non, mais j'ai déjà de quoi capturer, je peux en prendre un autre. Ah, la T-Quick, c'est le mec, il achète un iPhone 11, l'année d'après, il achète l'iPhone 12, quoi. Bah, il va déçu, là. Et son iPhone d'avant, il le jette à la poubelle. Là, sur Xbox, je l'ai demandé. Ok. Je l'ai demandé sur PlayStation, parce qu'on est chez PlayStation. Sur le Xbox. Mais non, c'est pas un truc. C'est pas un truc électronique. Ah,
Ah, tu voulais dire le Stream Deck, peut-être ça. Non, j'hésitais à demander le Stream Deck sous le sapin, mais... Franchement, en cadeau, ça me... ça me ferait chier d'avoir juste ça sous le sapin, quoi. Oui, parce que ça coûte une blinde, ces trucs. Je crois que même le petit... Je crois que c'est au moins 150 balles, je crois. C'est infernal, juste pour foutre 2-3 emotes, quoi. Alors, c'est sympa, mais... Enfin, on sera un peu plus sur le stream, quoi. On sera plus que deux cons devant Toy Story, quoi. C'est un investissement que je n'ai pas envie de faire pour l'instant. Ah putain! Aïe! Aou! Putain. Le truc pour modifier les voix. Ah non, ça c'est pas le stream deck. Le truc pour modifier les voix. Oui, je vois ce que c'est. C'est l'espèce. Bah, c'est une table de. Une table de mixage audio, quoi. Mais en mode miniature, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de streamers qui ont ça. Mais bon, ça je peux pas le faire. Mais c'est vrai que ce serait bien pour faire mes voix rigolotes. Mais je crois que ça coûte pas mal cher, ça aussi. Je crois que c'est pas donné. Un fond vert, non, ça serait pas con ça en vrai. Un fond vert, ça pourrait être sympa. Bravo T-Quick. T-Quick qui fait la liste de tous les trucs qui manquent sur le stream. Bravo. Maintenant je me sens trop nul. Bravo. Ok, il est bien le décor là quand même. Dans l'état actuel des choses. Franchement, en un an, j'ai installé les petites lumières, le petit décor aussi, le nouveau micro, la perche, la nouvelle cam, la lumière devant. Franchement, ça va. Je trouve qu'en un an, ce Spawn TV a déjà bien step up. Maintenant, on va attendre que les gens arrivent. Non, mais je te taquine, voyons. Pourquoi trop scié le camion ? Comme watch out. Ce fameux passage où Woody et Buzz passe devant le déménageur qui n'a pas l'air stressé. C'est bon. Mais quoi? Un step up de fou furieux. Ouais. Et c'est comme ça dans le film. Dans le film. Attention, ceci n'est pas un film sur des jouets. Putain. Je pensais... Naïvement, je pensais... Ah d'accord, fallait juste se laisser faire. Naïvement, je pensais qu'on aurait fini le jeu plus vite et qu'on pourrait passer directement aux deux, mais là, il va déjà être minuit, quoi. Ils étaient juste derrière moi dans cette boîte. Tu vois, là tu les avais laissés. Et voilà, ils sont... Tout le monde est content. Et après ça se finit sur Noël. Donc c'est un jeu de Noël. Voilà. C'est le GG, c'est le gagnant. Well done, you have completed the Toy Story. Hope you enjoy it. Thanks for playing. Ah bah c'était sympa mais dur quoi. Je pense que ça résume bien la chose. Bah non, mais j'ai dit que c'était une surprise. J'ai pas dit qu'il fallait deviner. J'ai pas dit que j'ai donné la réponse, ça je voulais dire.